Yo, on se retrouve pour la mise à jour du 15 avril. Il y a encore une mise à jour sur le ranch et j'ai vraiment hâte de la commencer. Oh, j'ai une lettre, c'est pas courant. Enfin genre, d'habitude j'en ai jamais, sauf pour me dire que j'ai été bannie, enfin bref. C'était une réponse des deux abonnés du coup qui sont venus me voir la dernière fois et genre... Oh, ah mais oui, mais j'ai en fait justement j'étais en train de me demander ce matin pourquoi je montais un andalou, puisque j'ai pas du tout l'habitude de le monter. Et il se trouve que j'ai rencontré deux abonnés. Ça m'a fait énormément plaisir, on a passé du temps ensemble. Et quand on est venu dans mon écurie, elles ont choisi l'andalou pour que je le monte sur la mise à jour du mercredi. Du coup, de ce que j'ai vu, les missions sont pas très loin. Elles doivent être dans le ranch, mais à l'entrée. Et on va avoir des courses. Et j'ai très hâte de les commencer, puisque j'ai vu qu'en plus, on pouvait avoir des adversaires. Comme quoi, je lis la mise à jour trop vite. J'ai vu qu'en fait, on pouvait pas choisir notre adversaire. Mais qu'on pouvait juste rencontrer par hasard ces adversaires-là. Là, je cherche les animaux pour les ramener. Ah, ça, c'est une frimousse. Et je sais pas où chercher parce que c'est aléatoire. Il n'y a pas de petit point bleu. C'est à nous de chercher partout. Ah, ça y est, c'est là. C'est une petite poule. Ah ! Donc, c'est à ça que sert la nourriture pour les poules. Donc, bah, ok, il faut lui acheter de la nourriture. Coucou Alicia. On peut acheter, ok, ouais, mais ça coûte cher en fait. La nourriture aux poules, mais je sais pas s'il faut en acheter plusieurs ou pas. Je pense que juste un, ça suffira. Ah non, d'accord, quand on en achète, on en a 5 de base. Donc bah c'est cool, tant mieux. Il était faire le bas. Ah, mais il y a aussi, ah d'accord, en fait c'est pas un animal par jour, c'est vraiment genre plein d'animaux éparpillés partout. Ok, j'avais pas compris ça, encore une fois, je suis pas douée. Et j'ai encore perdu le poulet. Hop. Mince, j'ai pas réussi. Ah voilà, ah j'ai cru qu'elle allait pas me suivre, j'allais l'écraser la poule. Attends, je vais la faire courir à côté de l'autre. Hop, deux petits potes. Du coup j'ai vu qu'il y avait d'autres animaux. Il me suit. Ah bah non. Non, attends, par là, pas par là. Je pense qu'il faut pas me demander de ramener vos animaux, puisque je ne suis pas la mieux placée pour faire ça. Il est où le mouton? Ah non, attends, non, non, attends, 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 attends. Ah une vache, une vache, une vache, une vache. Oula, attends, attends. Oh putain, j'en ai marre. Non, 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 voilà, voilà. Regarde où on est à cause de toi, là. Putain, oh, je galère. Bah, tu vas m'écouter, tu vas m'obéir un petit peu. Allez, plus vite. Attends, mais qu'est-ce qu'elle fait? Du coup, maintenant, pour les courses... Oh, contre adversaire. D'accord, bon, déjà, on va le faire solo, parce que on va faire la course du ballot de paille. Oh, ça a l'air... Oh, c'est immense. C'est génial. Là, ils ont... Oh, putain. C'est trop bien. Ça y est, ça commence. Ça commence bien. On va essayer de... Ah, oh, ils tournent super vite, les chevaux. Attends. Ah non, c'est juste moi. Non, ils tournent super vite. Oh, putain, putain. Vroom, 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 vroom. Wow, c'est une fusée. Enfin, une fusée... Oh, mais c'est kiffant. Je savais pas que ça tournerait aussi vite. Bon, je vais essayer toutes les courses d'abord et après je le ferai avec un adversaire. Ah, en plus c'est bien parce que c'est expliqué pour ceux qui n'ont jamais fait de pole bending. Donc bah, oula, oula, oui c'est rapide, c'est rapide, c'est rapide. Allez hop, ça dégage. Sans faire exprès, je viens de cliquer sur les 3 et en fait c'est vrai que dans la mise à jour, il est dit qu'on peut faire les 3 d'affilée. Mais là on va éviter de mourir maintenant, c'est genre pas le moment. Donc qui est mon adversaire? Oh! Go lui mettre une dose, parce que moi je laisserai pas gagner ce mec là, c'est genre c'est le gros pervers de Jorvik. Oula. Donc je ne le laisserai pas gagner. Il est loin derrière moi mais faut pas trop... Oh putain de merde, oh non. Go lui mettre une dose. Non, il est loin derrière moi mais il arrive vite quand même. Il est loin. Ça va, ça va, ça va, ça va. On a le temps, on a le temps. Regardez comme il est nul. Je suis sûre qu'il s'est fail plein de fois. Du coup j'ai gagné contre... Excuse-moi, c'est quoi ton nom? Là, là, du coup, on a un avant-goût du... Oula, oula, oula. Du quarter. Du coup, j'ai rien gagné à cause de lui parce que il m'a stressé. Hop là, toujours des fails, toujours des fails. Mais moi, j'aimerais bien... Ah, on peut le refaire quand on perd. Mais j'aimerais bien, genre, changer d'adversaire. Évidemment, le moment où je ne filme pas, puisque bah, je me disais que j'allais encore avoir le même adversaire, j'ai eu Josh. Donc, bah...
C'était cool. J'ai regardé s'il me manquait rien de la mise à jour et non, il me reste rien à faire. C'était quand même une belle mise à jour et puis en plus, la semaine prochaine, les Quarter Horse sortent. Je sais pas encore lequel prendre, je sais qu'il y en a un qui me tape dans l'œil, mais je sais pas s'il va sortir ou pas cette semaine et si ça sort pas. Enfin, si le cheval que je veux ne sort pas cette semaine. J'en prendrai quand même un autre, j'en veux au moins deux, j'irai pas plus que deux, mais comme j'en veux deux, oui, je ferai au moins du coup deux achats, des quarter horse, et on verra lequel me fera de l'œil hein, quand ils sortiront. Sur ce, j'espère que cette mise à jour vous aura plu, mais du coup à la semaine prochaine pour la sortie des bébous.